Voici quelques transformations de forme d'énergie. L'énergie que la nature nous offre, telle que le bois, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, le minerai d'uranium, l'écoulement de l'eau, le vent, le rayonnement solaire, la chaleur interne de la Terre, etc., peut être partiellement transformée en énergie utilisable, après l'avoir transformée en de l'énergie facilement transportable, telle que l'électricité. Sur ce site de l'Université du Colorado, on peut réaliser des simulations comme les suivantes. Voici une transformation d'énergie qui est proposée sur le site de l'Université de Colorado. D'abord, ici, nous avons de l'énergie chimique qui se transforme en énergie cinétique. Cette énergie cinétique se transforme en énergie électrique. Cette énergie électrique peut être utilisée pour le transport d'énergie qui, ici, se transforme en énergie thermique. Nous chauffons cette eau dans le récipient. Nous voyons que le bonhomme ne pédale plus, il faut le nourrir. Je le nourris et voilà que cette transformation de forme d'énergie recommence. Énergie chimique, énergie cinétique, énergie électrique et finalement énergie thermique. Voici un autre exemple de transformation d'énergie. Ici, l'énergie potentielle de l'eau se transforme en énergie cinétique qui fait tourner cette roue dans l'alternateur, et ainsi, cette énergie cinétique se transforme en énergie électrique. Cette énergie électrique se transforme dans l'ampoule sous forme d'énergie lumineuse et d'énergie thermique. Dans cette simulation-ci, nous voyons que l'énergie lumineuse du soleil est transformée par un tel panneau photovoltaïque en énergie électrique. Cette énergie électrique peut être transportée à grande distance pour finalement se transformer en énergie mécanique. Ici, nous chauffons ce récipient contenant de l'eau. Cette énergie thermique se transforme en énergie cinétique, ensuite en énergie électrique. Cette énergie électrique peut être transportée à grande distance pour finalement se transformer en énergie mécanique. Le courant électrique convient très bien pour le transport d'énergie à grande distance. Nous avons le principe de la conservation d'énergie qui dit que l'énergie ne peut être produite ni détruite, mais uniquement être transformée d'une forme en une autre forme d'énergie.